Merci d'avoir Morgane. accepté de témoigner. Alors, Ouais. on est dans le lieu où d'ailleurs on a tourné le film Gilets jaunes. Gilet Ouais, tout à fait, ouais. La porte caissière et son cassé. Non. J'avais envie de te faire témoigner et je Ouais. te remercie d'accepter parce que, alors ça peut paraître même prêter à rire pour un certain nombre, mais tu as Ouais. vu ce qu'on appelle un objet volant non identifié. On peut appeler ça comme ça, parce qu'il a toujours pas été identifié. Voilà, raconte. Ben en fait, j'étais gamin, parce qu'il faut savoir qu'ici, c'était la maison de ma grand-mère. Oui. Et donc, mon père bricolait la bagnole là, dans le chemin qui est là, quoi. Ouais. Et moi, je regardais ici, bon, je jouais, hein, tu vois bien, gamin, il y avait des balançoires, tout ça. Ici, à l'époque, il y avait même des poussins, des poules, bon, bref. D'accord. Ouais. Et en fait, il y a une sorte de cylindre, tu vois, un cylindre assez imposant quand même. Et pas de fenêtre, rien, c'est vraiment un bloc d'acier En métal, ouais. en métal et en fait qui tournait, tu vois, comme ça sur lui-même derrière là, tu vois, derrière le boulot qui est là. Ouais, donc c'était vraiment voilà à ce niveau-là. voilà à ce niveau-là et en fait il tournait comme ça et il est parti d'un seul coup. Il faisait combien de J'ai dit à mètres mon père, ah, je sais pas, mais c'était vachement balèze à vue d'œil, enfin d'où j'étais, quoi, à l'âge que j'avais, j'étais gamin, donc c'est vrai que t'avais quel âge? Ouais, je devais avoir, je sais pas, 7 ans, 6-7 ans, ouais. Ouais, bah ça t'a marqué en tout cas. Ouais, bien sûr, ouais. Mais même mon père, hein, mon père s'en rappelle encore, bah, naturellement. Et, il avait une 104 ZS qui bricolait ici, quoi. Ouais. Et ouais, il est parti comme ça d'un seul coup. Ouais, je sais qu'il a demandé, c'était une sonde météorologique, parce que naturellement, bah, moi, j'ai regarde papa, regarde le truc dans le ciel. Puis c'est vrai que pas de bruit, je veux dire, comme là, tu vois, tiens, il y a un avion qui passe. Tout à fait. Il est loin, sinon c'est un hélicoptère. Ouais, on l'entend. Donc, tu vois, bah, je pense qu'on l'entend là, la caméra. Voilà, là, il n'y a pas de bruit de moteur du tout. Il faut se dire que c'est vraiment un cylindre en acier qui doit peser quand même un sacré tonnage, quoi, je pense. Ouais. Et le voir comme ça sur lui-même, je veux dire, tu vois. Comme deux grosses roues, en fait. Ouais, mais tu sais, il circulait un peu voilé, quoi, si tu préfères. T'sais. Tu vois ouais. ce que je veux dire? En fait, c'est t'sais, totalement. C'était pas droit. Totalement, enfin c'est totalement inconnu de au bataillon ce genre de truc là. Voilà. Bah, enfin moi personnellement j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler non plus, mon père non plus. Je te dis, on a pensé à une sonde météorologique, on a pensé aussi à des trucs d'armes. Bah, après je sais pas, j'en ai jamais vu, mais je veux dire après mon père a pensé à c'est des objets de l'armée là qui jettent en fait, qui tombent automatiquement tout ça. Machin. Ça pourrait pas être, ça fait longtemps, mais un drone. J'y ai pensé. Non, non c'était surtout pas un drone. Ça c'est sûr que non. Parce qu'il y en a qui disent toujours « Ah, c'est des drones, les non, ovnis !» Non, mais c'était pas un drone, c'était vraiment un... C'est pas un hélicoptère qui faisait non, du surplace. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'hélice. Pas un avion qui faisait pas du surplace. Pas d'hélice, pas de fenêtre, c'était un cylindre un peu... Tu vois, voilà, quoi, un cylindre comme ça, en acier, gros, hein, pas comme ça, je te dis, il avait une envergure quand même. Alors c'est imposant, je veux dire, déjà pour avoir un machin comme ça qui tient dans le ciel, sans hélice, sans rien du tout... franchement, déjà, voilà. Et il quoi. Était statique, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, on Et aurait quand il est parti de quelle façon? Eh ben, en fait, il est parti directement. Enfin, je veux dire, c'était vrai, ça s'est joué en un centième de seconde. Alors, on n'a pas compris. Quoi. Je regardais avec mon père, ça a fait vitesse de la lumière. C'est parti. Ouais. On a même pas. Ben, le problème, c'est que nous, comme on est, tu vois, on est en côte. Et derrière, il y avait, c'était là, il n'y avait pas la butte avant, c'était de la forêt. Donc, il y a des arbres, tout ça, mais on voyait quand même un peu plus loin. Et bon, après, voilà, comme il s'était éloigné, on le voyait toujours, et d'un seul coup, poum, là, ça a disparu, quoi. Donc, est-ce que c'est parti à vitesse de la lumière, ça, ou on le voyait carrément plus après, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ouais, déjà, pas de bruit, il est parti assez rapidement sans qu'on le voit. On n'a jamais su ce que c'était. Ce qui est marrant, oui. Comme, encore une fois, c'est que c'était, tu vois, vraiment un gros cylindre métallique, un tube, tu vois, un peu arrondi comme ça, sur chaque, les chaque extrémité, et qui tournait comme ça, tu vois. Voilà. T'arriverais pas à identifier à peu près le nombre de mètres que ça pourrait faire? Ouais, je pensais à peu près en longueur, entre 5 et 6 mètres, peut-être. C'était D'accord. vachement balèze. Hein. Ouais. Ah ouais, puis le cylindre en était vachement. De hauteur, bah, en hauteur, bah, en hauteur, il était quand même assez haut, quoi. Même si t'es jeune. Ouais, on va dire entre 4000 mètres, peut-être, même pas. Même pas. Ouais, ça fait haut déjà, 4000 mètres, ouais. je trouve. Hein. Bah, je me rends pas bien compte parce que j'étais jeune. Hein, comme, bah oui, c'est ça. On le voyait vraiment, tu vois. Enfin, au loin, on aurait dit que, tu sais, vu d'œil, en fait, ça faisait. Tu vois. Ouais. Au loin.
Et en fait, tu vois, c'est marrant parce qu'on aurait dit qu'il flottait, quoi. La réaction de ton père, de ton entourage? Mon père, il regardait, tu sais, puis il me dit rentre. Sur le coup, il n'était pas tranquille. Il ne savait pas ce que c'était, donc voilà, quoi. Il m'a dit de rentrer et tout. Je ne suis pas rentré, je suis descendu. En fait, je me suis mis à cheval sur, tu sais, l'entrée de véranda. Là, je me suis mis comme ça. Et puis on l'a regardé. Lui, il s'est mis là, il l'a regardé d'un seul coup. Ça a duré combien de temps, en tout? Ça a été assez rapide, hein. Ça a dû durer 5 minutes. Ah, quand même, 5 minutes, c'est quand même beaucoup. Ouais, bah c'est beaucoup. Enfin, je veux dire, tu vois, le temps de. Parce que voilà, quoi, il se déplaçait, tu sais. Et d'un seul coup, pfiou. Bah ouais, ça a duré à peu près. Ouais, on va dire 5 minutes, quoi, au gros maximum. Donc, il était statique ou il se déplaçait, pour comprendre bien? Bah en fait, si tu veux, je te dis, il se déplaçait, mais très lentement, en fait, comme ça, tu vois. Ouais. Et on l'a vu, enfin, moi je l'ai vu, parce que je jouais là, donc il a commencé à monter ici, tu vois. Il est passé derrière la montagne, et d'un seul coup, pfiou, parti. Enfin, je peux t'expliquer, je sais pas, il faut mettre un petit non, non, mais on comprend bien. À la con, tu sais, vraiment, tu sais, bon, imagine, ça c'est un cylindre en acier, tu vois. Ouais. Tu le vois au loin, quoi, et il fait ça, tu vois, le machin, en fait. Ouais. Ça avait des couleurs? Non, c'était gris. D'accord. Vraiment, pur acier, quoi. Ouais, pur acier, quoi. C'est la première fois que tu voyais quelque chose de haut, enfin, t'avais que 7 ans. Ben, ouais, c'est... T'en as revu depuis? Non. Non, j'ai jamais revu des trucs. T'en as discuté avec ton père depuis? Ouais, bah souvent, de temps en temps, on se le rappelle. Tu te souviens au ranch, parce qu'ici on appelle ça le ranch, c'était un ancien ranch. Et je lui dis, tu te rappelles au ranch quand on a eu là? Il dit, oui, bah, tu peux lui demander, il dira pareil. Tu identifierais bien, hein, ça comme une technologie humaine ou extraterrestre? À ton simple avis, hein, c'est une théorie bien sûr, parce qu'on n'a pas rien. Disons que moi, tu sais, je crois une vie extraterrestre, parce qu'il faut être abruti pour croire qu'on est les seuls dans l'univers. Mais je pense quand même que ça vient d'ailleurs, quoi. Je pense pas que ça soit d'une... Enfin, surtout à l'époque où c'était, parce que quand même, j'avais 7 ans, j'en ai 42 à la fin de l'année. Ouais. Tu ne les fais pas, tu fais 41. Tu fais 41 et demi. Je fais 35 et demi, s'il te plaît. C'est pas 42 ans. Non, mais ouais, j'ai jamais ni revu ni entendu parler de cette chose. Bon, à part avec mon père, où je te dis, il avait posé des questions, savoir si c'était une sonde, un machin comme ça. Ouais. Et bizarrement, c'est vrai qu'on n'en a jamais entendu parler non plus. Donc, moi, je pense que c'est nature ailleurs que terrestre. Sur Internet, il y a énormément de phénomènes OVNI aussi. Il y a le meilleur comme le pire, évidemment. Tout n'est pas prouvable. On ne peut pas prouver par une vidéo que c'est vrai. Mais on peut pas dire... Tu as déjà vu des vidéos sur Internet qui ressemblaient à peu près à ce que tu as vu? Non, du tout. J'en ai jamais vu. On a vu, comme tout le monde, les vidéos, les trois points, le machin, par la vitesse de la lumière. Tu sais aussi les pilotes de chasse, d'ailleurs, qui ont vu des choses comme ça. Donc là, se dire que c'est pas vrai, enfin bon, voilà quoi. Le pilote de chasse, c'est pas un mec qui est... Un témoin crédible. Enfin voilà, c'est quand même un témoin crédible, exactement. Et, voilà. Mais ça, non, jamais, tu vois. Jamais j'ai entendu parler d'un cylindre comme ça qui flottait sur lui-même. Enfin, le pire, c'est sans moteur. Je dis encore, tu vois, t'aurais un bout de moteur... Bon voilà, mais là il n'y a rien du tout. C'est vraiment, on aurait dit qu'il était magnétisé, tu vois le truc. Est-ce que tu crois que plus tard dans ton cheminement, je dirais d'homme et même spirituel, ça t'a amené, ça aurait pu contribuer à t'amener à te poser des questions un peu existentielles quelque part? Certainement, oui. Ouais. Bah oui, certainement. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je crois bien qu'on n'est pas les seuls sur Terre, enfin, dans l'univers plutôt. Et oui. Ça va pas. Parce que toi, tu es catholique. Je suis catholique. Ouais. Ça va pas à l'encontre. De la foi catholique? Non, je pense pas, non, parce que le Seigneur est maître de l'univers aussi. C'est pas Musclor. C'est pas mal, celle-là. Excellent, je la garde, celle-là. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est voilà, le Seigneur est le maître de l'univers, donc pourquoi il aurait... Oui. Hein, il serait pas non plus ailleurs. Absolument. Il est partout, il est omniscient, comme on dit. Donc, voilà. Tout à fait, omnipotent, omniscient. Omnipotent, omniscient. Omnivore. Ok. Voilà. Bon, ben, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Effectivement, mais pas par rapport à ça. Oui. Vous pouvez vous procurer le DVD qui a été tourné ici, ah oui, c'est Gilet vrai. Jaune, avec Morgan Priest naturellement, sur sa page morganpriest.com. Oui. Donc c'est le double DVD avec le bonus, enfin making of, toute la smala, toute la clique. Il y a le même film qu'il y a vraiment en fait. Mais le problème, vous avez le film sur Internet, c'est bien, mais vous n'avez pas le reste. Et vraiment le reste,
Déjà, ça dure à peu près une heure, je crois, non? Il y a 45 minutes de Ouais, voilà, et oui, puis à après, peu près. Ton et interview. Exactement, et là, ça vaut vraiment le coup, si vous avez une interview aussi de Morgane, la mienne, et puis bah, vous verrez aussi les à côté, ce qui est vachement sympa. Voilà, c'était pas prévu, mais pourquoi? On fait ce qu'on veut, de toute façon, c'est la vie, c'est notre vidéo. Et c'est tout. Merci d'avoir témoigné, en tout cas, c'est super, et je pense que ça intéresse énormément de gens. Merci beaucoup. Allez, salut. À bientôt.